Salut à tous et bienvenue chez Original Comics au 49 rue La Cépède. Nouvelle vidéo pour de nouvelles sorties. Aujourd'hui, Panini Comics avec un focus spécifique qui sera fait sur la sortie, la grosse sortie de la semaine chez Panini Comics, à savoir le Demon Wars de Peach Momoko. Mais avant d'attaquer le vif du sujet avec le Demon Wars de Peach Momoko, voyons un peu ce qui est sorti aussi à côté. On va commencer avec le Danny Ketch Ghost Rider de Howard Mackie et Daniel Picciotto, un récit nostalgique. Marvel a décidé depuis un moment de faire quelques récits hors continuité qui ont pour but de ramener des grands auteurs d'avant, des grands dessinateurs, des grands scénaristes, pour leur proposer un nouveau travail sur les héros qu'ils ont notamment écrit à l'époque dans leur prime. Ici, c'est Howard Mackie qui revient avec son Danny Ketch, le deuxième Ghost Rider qui a été créé, que lui-même avait créé dans les années 90, dans la troisième série Ghost Rider. Ici, du coup, on revient du coup à cette époque-là, peu de temps après que Danny Ketch ait les pouvoirs du Ghost Rider. Il va devoir affronter une nouvelle menace, mais aussi avec des anciens ennemis. C'est vraiment fait pour ceux qui ont aimé le Ghost Rider des années 90. Vous l'avez peut-être découvert si vous lisez la série Ghost Rider de Semic en 91, qui éditait cette série. Et du coup, voilà, donc c'est un récit qui baigne dans son jus, et c'est vraiment surtout destiné aux amateurs de ce personnage et de ce scénariste. Voilà, mais tout à fait sympathique quand même comme petite histoire. On continue avec deux suites de séries, le She-Hulk volume 3 de Rainbow Rowell qui continue à faire des merveilles avec les magnifiques covers de Jen Bartel ici sur la couverture principale et à chaque début de chapitre. On a aussi le 11e et dernier tome de Avengers de Jason Aaron. Après 66 numéros de Avengers, Jason Aaron lâche la série et va laisser la série à Jed MacKay dans un futur proche. Jason Aaron qui vraiment aura été très longtemps, pendant 5 ou même 6 ans je crois, sur les Avengers. Vous avez bien sûr la fin de Avengers et la fin de Avengers Forever, une série qui a divisé mais qui a plu quand même à beaucoup de personnes, et donc on vous la recommande aussi bien sûr. Fan de Captain America, que ça soit Sam Wilson ou Steve Rogers, retrouvez le Captain America final, le dernier tome de l'ère de Captain America, écrit par Jackson Lansing et Colin Kelly, que vous retrouviez début du mois sur les Guardians of the Galaxy. Ici du coup voilà, petit dernier tome qui va compiler les derniers numéros de la série Captain America, Steve Rogers et Sam Wilson, Sentinel of Liberty et Symbol of Truth, ainsi qu'un numéro final, voilà, pour vraiment dire une bonne fois pour toutes adieu au personnage. Une série qui aura plu à beaucoup de monde, qui aura montré de très très bonne qualité et qui fait partie voilà, de ce duo de scénaristes qui continue de monter et monter. Suite directe de son Demon Days, Demon Wars, c'est tout simplement la nouvelle relecture façon Peach Momoko de l'univers Marvel. Alors si dans Demon Days on était plus effectivement sur une revisite des X-Men, ici ce sera les Avengers, comme on atteste effectivement cette couverture évidemment faisant référence directement à Civil War. Donc on va toujours suivre la jeune Mariko qui va osciller entre rêve et réalité, qui va par moments être plongée dans cet univers onirique rempli de yokai et autres créatures mythologiques japonaises, et c'est toujours absolument stupéfiant. L'exercice de style, l'approche graphique de Peach Momoko est absolument folle, ses aquarelles sont absolument sublimes, vraiment c'est absolument excellent. Alors même si effectivement on pourrait entre guillemets reprocher effectivement à celui-ci, à Demon Wars, tout comme Demon Days, d'être avant tout dans l'exercice de style, ça reste absolument brillantissime, et absolument voilà, un régal absolu pour les yeux, un superbe récit. Et petite précision aussi, c'est que là vous avez l'édition entre guillemets classique, parce que c'est déjà un beau bébé, un très beau format, mais vous avez aussi l'édition collector, superbe édition collector, avec fourreau et cahier d'illustration. Vous avez aussi, si je ne m'abuse, un format légèrement, même pas, c'est grosso modo légèrement, on va dire un chouïa plus grand que le format classique, avec un superbe dos toilé comme vous pouvez voir ici. Donc sublime édition collector si jamais vous êtes fan de l'artiste et de son travail. En tout cas voilà, énorme coup de cœur. Si vous avez aimé Demon Days, c'est la suite directe, c'est toujours aussi efficace, toujours aussi beau. Et si vous ne connaissez pas cette artiste japonaise absolument incroyable, je ne peux que vous conseiller Demon Days et Demon Wars, et tout l'ensemble de son travail. C'est absolument fabuleux.
On espère que vous trouverez votre bonheur dans toutes ces nouveautés. Vous l'aurez compris, nous, notre coup de cœur, c'est Demon Wars de Peach Momoko. Absolument fabuleux. D'ailleurs, Peach Momoko qui scénarisera et dessinera la prochaine série Ultimate X-Men. Donc ça annonce du très très lourd. Et donc aussi d'autres belles nouveautés, évidemment, qu'on vous invite à découvrir dans le descriptif de la vidéo ou évidemment en nous rendant visite au 49 rue Lacépède. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut! Que vous conseillez Demon Days et Demon Wars, et tout l'ensemble de son travail, c'est absolument fabuleux. Évidemment. J'ai l'ensemble envie... de son travail, bah il y a ces deux-là, puis c'est fini. Il y a ces deux-là, et son travail pour magazine pornographique, et, et toutes ces choses-là.